Bonjour, 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 bonsoir à tout le monde. Et c'est toujours moi, Jeannot, le motivateur. Et on continue toujours et on est alors là dans un cadre de la conscientisation. Et on va continuer. Et vous savez, et ce domaine de travail, c'est un travail qui n'existe pas beaucoup en Guinée. Et donc, nous cherchons un peu à encourager d'autres personnes qui ont ces potentialités, qui ont ces qualités, qui ont ces savoirs, ces sagesses, pour aider, pour contribuer, pour construire notre ville, nos différentes villes, notre nation, nos différentes familles. C'est la vie. La vie, elle est faite comment? Dieu est la source de vie. Dieu est la source de vie. Il a parlé en créant le monde. Il n'a pas travaillé. Il a parlé. Le monde a commencé par la parole, par la rêve. Le monde a commencé par l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Il a parlé, il a essayé de mettre en pratique ses pensées, ses imaginations. Mais il nous a créés à son image et à sa ressemblance pour vivre cette vie, parce qu'il est la source de la vie. On vient de lui, on retourna sur lui encore. Donc, c'est la vie, et il n'y a rien de plus bon que la vie. Rien ne vaut que la vie. C'est le slogan, rien ne vaut que la vie. Et la vie, elle est très courte. Pourquoi? Parce que et personne ne peut prédire demain ce qu'il va être. Personne ne sait exactement demain s'il va vivre, quand il dort, s'il va se réveiller. Donc c'est pourquoi et on doit être préparé à ce jour, à cet appel solennel de Dieu, et personne ne sera épargné. Donc Dieu est amour, Dieu est joie, Dieu est paix, Dieu est bonté, Dieu est beauté. Et quand on fait la description du paradis, on ne voit que ces caractères-là, la beauté, la bonté, l'amour, la joie, c'est-à-dire la réjouissance, le confort. Donc aujourd'hui, je crois que c'est le souci de tous les vivants. Vivre en paix, vivre avec la joie, vivre avec la paix, vivre en liberté, vivre le confort. Je ne sais pas en quoi cela est un problème. Mais moi, je suis en train de me rappeler. On a besoin de la morale. On a besoin des institutions civiques. On a besoin des vertus sociales. On a besoin de la spiritualité. On ne peut pas se défaire de cela. Pourquoi on est si mauvais, on est en train de se déshumaniser? On se déshumanise à cause de nos désirs, de nos plaisirs, à cause de nos intérêts, à cause de nos affinités. On oublie que Dieu est amour et on est une partie de Dieu. Le pouvoir, c'est une description de Dieu. C'est ce qu'il lègue un peu aux hommes, aux différentes personnes. Il sélectionne les gens, il les choisit, il les offre des choses à partager pour se compléter et pour s'entraider. Ça dépend maintenant que quand tu es faible en spiritualité, tu es touché par Satan, tu signes un pacte avec Satan, tu utilises le don de Dieu dans la saleté, tu souilles le don de Dieu. Donc c'est pourquoi et on appelle les imams et les prêtres, les hommes de Dieu, les personnes qui ont la sagesse, qui apprennent un peu de contribuer. Nul n'est parfait, mais on doit se rappeler de notre imperfection parce qu'on doit s'approcher de Dieu. Le péché nous met en distance avec Dieu. Donc, se rappeler de ce péché, se repentir ou prendre conscience qu'on doit arrêter de se faire du mal, de faire des péchés, nous approche de Dieu. Parce que de la naissance pour nous baptiser, on utilise la prière, la bénédiction. À notre mort, on utilise encore les prières, la bénédiction encore. On demande le pardon de nos péchés pour être en amitié avec le Seigneur, pour que le Seigneur nous accueille dans son royaume. D'où on est venu, c'est de là où on partira. On est poussière. Quand on est poussière, c'est parce qu'on ne cherche pas à renaître. Quand tu renais, tu n'es plus une poussière. Tu comprends un peu les astuces de Satan. Mais plus tu restes en poussière, plus le diable se nourrit de toi. Ça a été la malédiction de ce monde. Lorsque Dieu a pullulé le serpent, tu te nourriras de la poussière. Donc l'homme n'est que poussière, mais l'homme est spirituel quand il renaît, quand il embrasse l'image de Dieu. Adam a dit Magao. Adam a dit Makinikin. Adam a dit Kobi. On attendra Meki. Mais vous savez, le mal, c'est quoi? Pourquoi l'être humain est aussi contradictoire? Un humain contradictoire, un être humain, quand tu es si contradictoire, tu n'as pas droit à la confiance. Tu n'as pas droit à la crédibilité. Tu perds la foi quand tu es contradictoire. Je vais vous donner quelques exemples. Je vais le faire très vite, mais vous allez comprendre comment nous fonctionnons. Et on est totalement contradictoire. En quoi c'est un problème de faire du bien? En quoi c'est un problème de dire la vérité? En quoi c'est un problème de défendre la justice? Pourquoi cela est un problème? Dire la vérité, faire du bien, promouvoir la justice, réclamer la justice. Alors, si ce n'est pas un problème, pourquoi on décrit, on détruit, on désavoue,
on essaie de dénier, de discréditer une personne qui promote la vérité, qui demande à ce qu'on se réconcilie, qui demande à ce qu'on défende la justice. Qu'est-ce que nous avons dit? Il n'a pas de toro, il n'a pas de soja, il n'a pas de tout va bien, parce qu'il n'a pas de toro. Toi en personne, tu veux que les gens soient honnêtes avec toi, tu veux que les gens soient justes avec toi, tu veux que les gens soient bons avec toi. C'est ce que tu réclames. Et pourquoi tu comptes une personne qui fait la même chose que tu réclames? Au moins, vous m'avez donné à ma clinique financière, ma tour, après la fin du compte, tu finiras. Il nous dit là, il y a rien. Il n'a pas signé la rumeur, il y a rien. Bah, c'est mon intérêt. Il n'y a pas de fin, il y a rien. Il nous voulait faire les bénins, colonne à ou les narra, il rompt. Mais maintenant, les femmes, voilà, et mais il rompt. On vit dans quel monde? Où t'as les mérites à moitié au courant? Car ou à ma si sur les mérites là. Mais ça se fait par parité, ça se fait comme ça, c'est un couple qui fait ça. C'est, je n'ai jamais singulier. Pourquoi tu es obligé de faire un mérite de Kana? Mérite de Roma, alors que tu es un Kairafan. Mais parce que ici, Amérique, Kana, Mérite de Roma, et il y a les mères de la mère. Donc les gens savent aujourd'hui que quand tu dis la vérité, tu as un problème, tu auras des problèmes. Donc les gens comprennent qu'il faut être lâche et hypocrite pour dire ce qui plaît aux oreilles des uns et des autres, surtout ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent. Ils ne m'ont dit pas le même jamais. Parce qu'ils savent que tu ne veux pas qu'on te dise la vérité. Tu ne veux pas qu'on te corrige, tu ne veux pas qu'on te conseille. Et tout d'un coup, pour avoir leur vivre facilement, nous n'avons pas mis tout le monde. Et moi, je n'ai pas mis tout le monde. Et donc, ils méritent un canama. Ils font non, ils t'engagent mal, ils sont dit. C'est comme ça que le monde fonctionne. Aujourd'hui, il y a un bruit fort qui était rare avec la personne, qui n'était pas proche de la personne. Juste un jour, comme ça, il est devenu le nouveau ami, le nouveau partenaire. Les anciens sont partis. C'est quoi faire? Les nouveaux riches, les nouveaux richards, les nouveaux puissants. Il fait qu'on a tout dit. C'est un peu de temps à côté de moi, il était sorti. Il fallait que ma maman guérisse bien. Quand il fallait mon assiette, il m'a dit qu'il faut. Mais il y a avec les gens qui ont les esprits tordus. J'ai connu des gens qui prient matin, midi, soir. Ils me disaient qu'ils ne vont jamais faire la politique. Les gens avec lesquels moi j'ai marché pour faire le tour de la ville de Fria. Marcher, faire des photos ensemble. Récapituler tout. Mais il dit que lui ne fait pas la politique. Moi je n'ose pas. Mais faire cela, on prend des décisions ensemble. Mais ils utilisent ces images pour aller faire la courbette. Pour avoir une place, pour avoir leur pain. Ils sont contradictoires, même avec leur piété. Il n'y a qu'à enfant. Je connais des gens. Faut être au canari là. Ils ne veulent pas les sortir. Ils n'ont pas été responsables. Faut être. Une fois la Guinée. Ils utilisent la malicité et l'Occident, le complexe d'être venu du milieu des blancs pour tromper les gens, pour escroquer les gens. L'indignement. On a dit que Allah est balé dans son maïe, dans son maïe. N'a pas d'enfant. Si tu n'as pas l'esprit de sang, tu n'es pas préparé, tu n'es pas bien entouré. Il n'a pas d'enfant, c'est un temps de sa. Il t'a moi en ancien maïe, non, il fallait bien. Il t'a moi en ancien maïe, non, il fallait bien. Quelqu'un qui te dit je ne t'aime pas, ce que tu fais, je n'aime pas. Est mieux que quelqu'un qui sait que ce que tu fais, il n'aime pas, il ne le dit pas, mais il te sourit. L'hypocrite. Tu es toujours entouré des hypocrites et des menteurs. Le monde est très dangereux. Et Kanama, Amakouya ne jamais, Amakouya Manera. Et demain, quand tu te rendras compte que cette personne ne t'a jamais aimé, t'a jamais dit la vérité, t'a juste utilisé la, juste eu besoin de toi. Parce qu'il savait que si il est sincère comme celui qui t'aime, qui est sincère, celui qui est sincère avec toi, c'est celui-là qui t'aime. Celui qui te dit la vérité est celui-là qui t'aime. Celui qui t'aime là, c'est celui qui ne veut pas que tu passes des choses pour aller en enfer. C'est celui-là qui te réveille que tu appartiens à Dieu, que Dieu est avec toi. Que tu n'as pas besoin de faire ça. Mais n'a pas tout le monde. Elle a cuit. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde.
Mais c'est dans la nanira. C'est dans la nanira. Mais la singularité là, l'unicité n'appartient qu'à Dieu. Donc quand tu es sur le chemin de Dieu, Dieu n'est pas dans la quantité. Dieu est dans la qualité. Et cette qualité, c'est la rareté. Et malheureusement pour notre démocratie, un pays à 75% analphabète, ignorant, pauvre. Donc si la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, et que ce sont 75% de voir que pour des personnes qui les ressemblent. Donc être rigoureux pour le changement, c'est de la méchanceté pour les ignorants et les pauvres. Être rigoureux, c'est de la méchanceté. Dire la vérité pour leur échec, leur retard aux pauvres et aux ignorants, c'est de l'injure. Ce qui fait que pour que tu aies le pouvoir de ce peuple en majorité, il faut les ressembler. Donc le leadership, c'est le reflet de la Guinée, c'est le reflet de la population. Ou bien on va pas une rigueur où les gens vont être punis, ça va être dur. Et puis en allant de ce qui est dur, on gravite les expériences et les épreuves, on se maturise avec, on se cultive avec, on se développe avec, et finalement on rencontre la facilité devant. Et les enfants qui viendront n'auront plus d'obstacles. Parce que ce monde est hostile à notre existence. Donc ces hostilités-là, nous nous prenons acte, nous nous battons pour casser ces difficultés, pour que demain les choses deviennent faciles pour nos enfants, et demain il y a encore autre chose à faire pour eux, parce qu'on perd en énergie quand on prend de l'âge. On perd en énergie. Donc dotons-nous de cet espoir, de cet esprit d'espoir, de courage. Ce n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de vaincre la peur, le courage. Leadership, c'est quoi? Être un bon leader, c'est être quelqu'un qui est un bon exemple, qui fait un premier pas du positif, du positivisme, un premier pas de l'excellence, qui contrôle, c'est être un bon manager, c'est avoir un bon discernement, savoir que ça, il faut que ça s'arrête. Mais si moi je ne le fais pas, les autres ne le pourront pas. Je suis la tête, parce que il y a rien pour moi, on est là. Quand vous avez un bon moment, vous avez un bon moment. C'est ça, Rafima. Donc c'est juste vous motiver que. Acceptons un peu la vérité. Qu'est-ce que tu as dit? Mais tu n'as pas besoin de me détruire. Il va me recourir. La vérité que je dis comme ça, et que les hommes véridiques le disent, tout le monde le sait. Parce que ici, sur ma page, si tu n'es pas musulman, tu es chrétien. Tout le monde va à la mosquée. Tout le monde va à l'église. Bon, les gens sont pas aussi fréquents comme hier, hein? Mais bim à la colonne. Tout le monde sait ce qui est bon, parce que c'est ce qu'on se souhaite. Ce qui est beau, c'est ce qu'on se souhaite. Ce qui est juste, c'est ce qu'on se souhaite. Alors pourquoi on ne veut pas souhaiter la même chose aux autres? Mais on demande l'esprit d'équité quand même. L'esprit d'équité, non, c'est quand même. Qu'est-ce que ça va te détruire quand tu crées autour de toi les indépendants? Personne ne dépend de toi. Tout le monde vit de son propre moyen. Tout le monde se bat, tout le monde s'est péché de lui-même. Qu'est-ce que ça fait? Maturisons notre esprit spirituellement. Tout commence par nous avant d'aller vers les autres. Moi, je vais les péchés. Moi, je ne suis pas parfait, je le connais. Mais je demande au bon Dieu que je n'ai jamais une mauvaise intention contre personne. Et je n'aurai jamais une mauvaise intention contre une personne. Mais peut-être que j'aurai des problèmes pour mon frère parler. Et je ne sais pas pourquoi tu peux avoir des problèmes avec le frère avec toi. Quelqu'un au moins qui ose te dire ce qu'il désavoue, ce qu'il n'apprécie pas de toi. Mais qui ne veut pas une personne comme ça? C'est dommage, parce que quand le blanc dit une faute reconnue et à moitié pardonné, on t'en forêt, il n'en dit pas là, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de bien. Tu penses te repentir, tu t'es créé des millions de problèmes. Et bien non. Donc on est en train de cultiver le refus de la vérité, non de mon falama. On connaît, parce que le fait de dire la vérité, c'est pas ça le problème. Celui qui reçoit cette vérité, comment il aperçoit cette vérité, comment il accepte cette vérité. Donc quand tu ne peux pas accepter, reconnaître l'importance de cette vérité en tant que leader, en tant que toi qui es choqué, en tant que quoi, toi qui reçois la décision de changement, c'est triste. Il n'y aura pas de progrès. Le problème de notre pays,
c'est un problème d'esprit, de mentalité, de caractère. On a un sérieux problème. On n'aime pas dire la vérité. Tous ceux qui rejettent cela, ils savent que ce que je dis c'est vrai. Devant leur conscience. Parce qu'on a deux meilleurs témoins de la vie. Il y a Dieu, il y a la conscience. Comment on partage notre vie, comment j'en ai. Adam a dit du miam, il n'y a rien de réconci. Tu parles librement. Tu es un homme. Tu es un choisi de Dieu. Dieu ne se cache pas. C'est le malfaiteur qui se cache. Le diable se cache. Parce qu'il ne veut pas être dévoilé. Parce qu'il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Parce qu'il sait que ce n'est pas bon. Le diable sait que tout ce qu'il fait, ce n'est pas bon. C'est pourquoi il est hésité. Il te détruit pour ne pas que. Yagima. Non, non. Donc alors, en quoi ça c'est un problème? Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse notre génération, que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager cette vidéo pour qu'on ait ce sens d'accepter la vérité. Quand on a dit, diamant, quand on a dit, accepter pour qu'on donne cette contribution, cet héritage à nos enfants. Parce que si on n'est pas des exemples, des bons exemples, les enfants ils imitent de nous, ils apprennent de nous. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans un lieu souillé, perdu, totalement. Ça fait pitié. Si on n'est pas prêt pour cette démocratie, qu'on arrête ça d'abord. On a besoin d'instruire, d'éduquer d'abord le peuple guinéen. Kamara, ce n'est pas pour nous cette culture.